Salut à tous, c'est Koinski, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble Black Geyser, qui est un jeu de rôle indépendant, développé donc par un petit studio depuis 2015. Ça fait quand même 7 ans qu'il est en cours de développement, ce jeu-là. C'est un jeu qui rend hommage d'ailleurs au premier Baldur's Gate. Le jeu a été backé sur Kickstarter en 2018 et est sorti en accès anticipé en 2021. Et là, ce 17 mars 2022, ça y est, le jeu sort en version 1.0. À cette occasion, les devs m'ont demandé de montrer le jeu. C'est une vidéo sponsorisée, donc faites-vous votre propre opinion. Moi, je vais simplement découvrir avec vous le jeu et on va essayer de s'amuser à le découvrir ensemble. On va lancer une nouvelle partie. On va pas prendre un personnage préfabriqué, il y en a quelques-uns, mais au contraire, on va en faire un ensemble, comme ça vous verrez un petit peu les possibilités de création de perso. À noter que le jeu est en anglais pour le moment et que le français est tout à fait prévu. Donc c'était un des objectifs du Kickstarter, je pense, d'avoir plusieurs langues supplémentaires pour la traduction. Et le français est en cours de traduction, les devs me l'ont confirmé, il n'y a pas de date encore de sortie du français, mais renseignez-vous si jamais vous l'attendez, ça va arriver à un certain moment du développement. Alors, d'abord la race et le sexe. Donc on va prendre un Feldegug, parce que comme ça, ça change un peu, on a les humains, on a les nains, les elfes, les Rillow, ça change aussi ça d'ailleurs. Et puis, qui ont l'air assez costauds. Les Feldegug, qui ont l'air plutôt tournés, je pense, vers la magie, mais il faudrait qu'on regarde un peu plus en détail. On va prendre ça, on va prendre un homme. On peut voir un peu les stats pour cette race-là. Donc on voit qu'on a plus 1 en intelligence, qui me fait penser que certainement, on pourrait être un lanceur de sorts pas trop mauvais. Il y a quelques bonus et malus également pour cette espèce, cette race plutôt. Alors, la classe. Nous avons une douzaine de classes, ou 13, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12 ici, moi je lis qu'il y en aurait 13 normalement, c'est ce que j'avais noté, mais bon, il y en a 12 ou 13. On va prendre le nécromancien, vous en avez donc différents types. Et on a également différentes possibilités de port d'armure ou d'armes différentes qu'on peut ou ne peut pas porter, et des billes également. Par rapport à cette classe-là, on va pas tout lire, mais par exemple, on va augmenter les dommages faits par les créatures qu'on aura invoquées. On va également augmenter les points de vie des créatures invoquées. Ce genre de choses. On continue. Alors, les attributs. Vous avez 6 attributs principaux. Le physique, qui parle pour lui-même, je pense. La dextérité, également pour viser et les chances de toucher et d'éviter les attaques. L'intelligence, qui va jouer sur l'efficacité des sorts et des compétences qui sont liées à l'intelligence. Et puis le focus, qui a l'air d'être un mix entre, je dirais, la sagesse et peut-être la perception. Ça va modifier la visée, la précision. Ça va également permettre d'éviter les coups, apparemment. Et réduire les chances d'interruption quand on reçoit des dommages. Bon. Le charisme et le côté surnaturel, qui va augmenter les résistances et puis également augmenter le nombre de slots d'énergie élevée pour les sorciers et les prêtres. Donc on a vraiment quand même un système qui est propre au jeu. Il n'y a pas de licence ici liée notamment à Baldur's Gate ou à Donjons et Dragons du coup. C'est vraiment un nouveau RPG si vous voulez, avec des nouvelles stats et tout ça. Mais ça ressemble bien sûr, mais c'est mélangé différemment au niveau de ce que font chaque attribut. Ce que fait chaque attribut. Alors on peut jouer en attribuant automatiquement, j'imagine qu'en fonction de la classe qu'on prend, du coup, il va distribuer. On va le faire ici, de toute façon, on ne fait pas une partie complète. Perdons pas trop de temps. On peut également allouer des résistances au froid, à la chaleur, au poison et à l'acide. Les compétences et les sorts. Donc là, on a des compétences de départ qui vont pouvoir être améliorées au fur et à mesure. Donc ça, c'est marchandage et persuasion. Le deuxième, l'apprentissage et la recherche. Le troisième, le brassage et le séchage. Pour faire à manger, j'imagine, et faire des potions. Il y a des compétences qui sont spécifiques à la classe. J'imagine que plusieurs classes pourront avoir des fois la même compétence qui revient, mais moi j'ai une sélection de 4 ici donc. Le prodige, ce qui est assez amusant, ça augmente les choix de dialogue qui sont autour du thème de la sorcellerie. Parce que je suis nécromancien et donc sorcier, on va dire. L'étude des arcanes, la perception magique, les barrières magiques. Hop! Il met un point en prodige, ok, un point en perception magique, d'accord. Les armes, donc tout ce qui est le fronde ici. Justiball, je sais pas ce que c'est. Le lancer, comme lancer de shuriken apparemment. Les petites lames, comme les dagues. Et les rods and staves, c'est les bâtons.
et ici les attaques à main nue. Donc on voit que par exemple j'ai pas la possibilité a priori de porter des épées longues, ce genre de choses, ni des haches. Voilà, c'est propre à la classe. Les sorts de départ, il m'a mis le lancer d'une flèche corrosive. On a ici une pulsation mortelle. Très bien, on peut prendre ça. On a la fièvre, l'arme empoisonnée, les crocs du prédateur et le mur de pierre. Créer un mur de pierre, ce qui bloque le mouvement. On aurait pu tester ça, mais je prends ce qu'il met au départ. Qu'est-ce qui me manque? Ça m'a l'air bon. Ah, ici en haut. Hop. Alors, les portraits, l'apparence, il y en a quelques-uns, c'est pas énorme le choix qu'il y a. Je pense qu'on puisse pas descendre plus ou monter plus. Peut-être était bien qu'il y en ait un petit peu plus. On va prendre par exemple lui, et on peut alors accorder la couleur des cheveux et de la barbe avec le portrait. Voilà. Couleur majeure, couleur mineure, c'est pour les vêtements, j'imagine, je vais laisser par défaut. On peut choisir le style de cheveux, ça, et le style de pilosité faciale. On va prendre ce qui correspond également au dessin, ceci. J'aime bien le style artistique du jeu au niveau des dessins. Je trouve que c'est honnêtement, c'est joli. Ça cesse bien à garder. Alors, le nom. Gridio, parce que pourquoi pas, vraiment au pif. On peut choisir la voix. On va prendre un érudit, par exemple. Ou un misanthrope. Ici, on peut choisir la difficulté du jeu. Donc, on peut jouer jusqu'au niveau 4. Ici, on va dire qu'on a un peu d'expérience avec les jeux de rôle. Évidemment, j'en ai pas mal, mais là, c'est la présentation. Donc, on va pas se compliquer trop la tâche. Là, vous avez un résumé des attributs. Et puis, on peut finaliser. Guide sur la quête principale, oui. Donc j'ai pas encore joué au jeu, hein. J'ai juste fait un tout petit peu le début du manoir ici, puis dès que j'ai senti que le jeu fonctionnait bien et que j'avais les contrôles relativement en main, je me suis dit qu'on allait découvrir ensemble. Pour ce qui est de l'anglais, je vais essayer de vous traduire brièvement les dialogues qu'on aura écoutés ensemble, parce qu'ils sont doublés. Pourquoi n'ai-je pas regardé ici d'abord? Et plus à ce point, pourquoi dois-je venir te chercher pour chaque petite chose? Pourquoi est-ce que tu dois venir nous chercher pour la moindre petite chose? Okay, okay, on va y aller. Listen, the lords from Isselbright are already here and waiting to be served. And for goodness sake, don't forget to gather your things from your chest before you come to table. Donc on doit aller apparemment on est serviteur, hein. Bon, c'est pas très brillant. On doit aller mais on va vite monter en puissance, j'imagine, on va aller servir les seigneurs de Isselbright. Et pour ça, il faut que j'aille récupérer d'abord mes affaires dans mon coffre. Donc vous avez un jeu avec une vue en isométrique, hein, c'est, voilà, c'est de la 3D, de la fausse 3D si vous voulez, avec des dessins. Il n'y a pas de rotation que j'ai pu voir de cartes ou ce genre de choses. Hein. On a réussi une quête. Alors avec J, on entre le journal des quêtes. Vous avez les quêtes principales, vous avez les quêtes secondaires, vous avez votre journal. Vous avez ici un genre de compendium avec tout ce que l'on a appris sur le monde et les personnages. Et puis vous avez une caractéristique, enfin une évolution, un paramètre spécial, c'est la cupidité. Apparemment le niveau de cupidité, c'est un genre de malédiction qui pèse sur le monde, c'est la quête principale si vous voulez, et qui va apparemment monter au fur et à mesure que la malédiction de cette cupidité augmente. Et puis là on a la qualité personnelle avec justement cupidité ou générosité, le fait qu'on soit considéré comme vil ou idolâtré, les gens nous aiment ou nous détestent. Et puis, est-ce qu'on est connu, inconnu, ou est-ce qu'on est connu au début? Évidemment, on est à zéro. Cool. Avec Tab, on peut mettre en surbrillance les objets interactifs, notamment les portes ou les personnages. Et on rentre dans le manoir Espen. Voilà, avec M, on voit la carte, hein, vraiment, c'est... Ça fait vraiment très 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 fort penser à Baldur's Gate 1 et 2 ou Icewind Dale si jamais vous avez joué également à celui-là qui est un peu moins connu. Voilà la carte du monde que je n'avais pas encore regardée, tiens. Voilà une carte dessinée à la main. If you insist. Allez, on va aller voir le coffre. Ça, je sais où il est. Il est là. Voilà, on y est. Je vais prendre ce qu'il y a dans le coffre. Alors, on a des robes.
et plein d'autres trucs. J'ai fait tout prendre, d'accord. Donc le vêtement, on a le même, pas de changement de stade donc. Nous avons de la poudre, d'obscurité pour aveugler les ennemis. Je peux la mettre par exemple dans mon inventaire rapide. Des couteaux de lancer, une dague. On va mettre ça comme ça. Et voilà. On peut peut-être fouiller d'autres trucs avant de continuer. Une infusion de jus de baie. Je prends, ça fait quoi? Avec le clic droit, on peut avoir des détails. Récupère 5 points de vie pour l'utilisateur pendant 3 rounds. Là, par exemple, on doit maintenant aller à la salle de rencontre, la salle de... On the move. Du dîner, on va dire, et trouver Béline. Qu'est-ce qu'on a ici? Des gants de laine. Protège du froid de 15%. Alors, où est-ce qu'elle est? At last. Ugh, don't go twisting an ankle in all your hurry. You take care of the drinks. Lord Woolcraft and Lady Larenthal prefer wine. Lord Joran would like ale. Lady Virilin and Lord Espen want mead. Go! Je dois servir du vin à Woolcraft et Larenthal, de la bière à Lord Joran et de l'hydromel à Lady Virilin et Espen. On va retenir les trois premiers, les autres ce sera simple du coup. Woolcraft et Larenthal c'est le vin, Joran c'est la bière. On va prendre tout. À noter que vous pouvez prendre les objets peu communs. C'est assez sympa, je trouve, comme système. Ça veut dire qu'on peut éventuellement, si on est déjà fort pris par le poids de notre inventaire, et bien peut-être qu'on peut simplement prendre les trucs les plus rares. Bon, là, c'est pas le cas. Hello, Woolcraft. Oh, the staff. Du vin. I do your bidding this time. Larenthal. Yes, yes, get on with it. Du vin. I suppose you et Lord Joran, well, de la bière. You know this is supposed to be served at room temperature. No, of course you don't. Et du coup, les autres, ça va être le reste. Hello, you're here. De l'hydromel. Finally, ah, good. Hello. Ugh, the carriage was quite stuffy, and my throat is sorely parched. Just what I wanted for a change. Shall we do business, gentlemen? Gentle ladies? Yes, let's. We are convened to discuss the situation with Daron Gould. What has been rumored and suspected for so long has finally come to pass. A council of nobles with mining interests in the town have declared themselves independent from the crown of Isilmarald. On a donc des nobles dans la ville de Daron Gould qui apparemment minière, qui ont déclaré un genre d'indépendance. I don't like this dirty business. Sending a list of grievances to the king sounds more like the actions of a bunch of uppity peasant farmers than nobility. There are ways these things are done. And there are ways that kingdoms may crumble. I understand your feelings on the matter, Lady Larenthal. But Daron Gould enjoys the sympathies of many important persons here in the north, and I number myself among them. What's more, there have already been defections among the Isilmarald nobility, most recently Alnar. Apparemment, il y a des sympathies quand même envers cette ville du sud d'Daron Gould, et en plus, il y a déjà eu d'autres nobles qui ont fait des défections, qui se sont séparés, notamment Alnar. She speaks of your son, Lord Espen, who chose to forsake his birthright to join the rebels. Ouh, c'est le fils de Lord Espen qui est ici, qui a choisi de renier ses droits de naissance et de rejoindre les rebelles. Ah, yes. Thank you, Lady Larenthal, for reminding me. And I'll thank you, Lady Virilin, not to speak his name on this estate, nor in my hearing again. Oh, why, I will... But you won't. Whatever the loyalties of the young lord of House Espen, the southern nobles have many legitimate complaints. Heavy,
Some say ruinous taxation, delayed shipments thanks to the Crown's regime of inspections and checkpoints, the King's insistence that Daron Gul's military, even the town watch, must be trained in the north. It's quite a list. Donc apparemment, les nobles du sud ont des raisons de se plaindre en fait avec des grosses taxes. Et le fait également que tout l'équipement, enfin toute recrue militaire doit être entraînée au nord et non pas dans la ville elle-même. Il y a toute une liste. Oui, c'est très sad. I'm sure they toss and turn the night away on their beds of gold bars. Taxation and bureaucracy are simply the facts of managing a prosperous nation, of keeping our enemies at arm's length. How long would their precious mines keep producing without the king's protection? C'était mine d'or, apparemment, en plus. Did you know, I heard this rebellion was prompted in part by a belief making the rounds in Daron Gould that the king himself is cursed. Ouais, il y aurait des rumeurs là-bas comme quoi le roi lui-même serait maudit. C'est hilarant. Oh my, what exceptional nonsense! Have they been breathing the fumes of their own minds? All right, very amusing. But like Lady Varellen, I am not unsympathetic to our southern friends. Surely some of Isildbright's rules and dictums could be culled, especially if it means avoiding war. A much more costly proposition than losing a handful of coin in taxes. Lui, il est plutôt pour une médiation. Wise counsel, my friend. But I fear the time for compromise is already past. The message from Daron Gould was deliberately provocative, leaving the king no way to negotiate or save face. The time has come, lords and ladies, for us to commit our forces and our purses to our rightful liege and crush Daron Gould. Alors, de Wallcroft, c'est plutôt le gros bourrin, lui, il veut tout péter. Or throw in with the rebels. They have the gold, they have a well-trained army, and most importantly, they control the mines. In a conflict of any significant length, having control of the source of the kingdom's metals means they must only outlast the North, rather than outright defeat her. Yuve, what is your opinion on recent developments? Moi, mais je ne suis qu'un serviteur. Pourquoi est-ce qu'on me demande mon opinion? You're asking the errand boy? What does... Kindly do not interrupt me while sitting at my table, Lady Larenthal. Well, speak up. Eh bien, une solution paisible en tant que nécromancien ne m'arrange pas trop, hein, vous savez. Pour trouver les corps et tout ça, ça peut être pas mal après une grosse bataille. Donc, ce serait plutôt que de dire qu'on doit les écraser complètement. Indeed, there is truth in what you say. I have often found fear to be a more useful asset than respect. Que... Qu'est-ce que ceci? Un tremblement de terre, ici? My ladies, my lords, we are under attack. Please, take shelter at once. Perhaps the cellar. You may wish to arm yourselves, my lords. Il propose d'aller se planquer dans la cave. Mais sous attaque de qui? They make no secret of their allegiance. They fly the banners of Daron Gould. Est-ce que vous avez vu autre chose? Qui les mène? That one was far at the back. All I could see of him was his vibrant red hair. Il avait des cheveux roux comme une flamme. Aldenar, c'est son fils. Too little, I'm afraid. Their numbers are overwhelming. Surely they will listen to reason. Wherever they're from. They won't kill us out of hand like so many soldiers. They wouldn't dare. Right? Calmly, my friends. Let's all go out to meet them. They're not bandits after all. Il propose d'aller les rencontrer à l'extérieur. Ce ne sont pas des bandits après tout. Yes, go ahead. You have my blessing to speak on my behalf if it's of any use. Le mec, il les envoie dehors pendant que lui, il va aller se planquer. You? What? Where are you going? Come with me. Make haste. D'accord. Je suis pas sûr que je serai le meilleur garde du corps, mais bon. You and you lot with me. The main gate has already been breached.
The House of Espen is about to fall to the agents of Daron Gould. Now, never mind that. Just follow. And you, prepare whatever spells you know. Surely your magical tutoring must be good for something. Gods know it costs enough. J'espère qu'il y a beaucoup ça dans le jeu, c'est-à-dire une personnalisation des dialogues en fonction de nos compétences. On l'avait vu, hein, donc j'ai pris un sorcier nécromancien, mais on peut augmenter plus ou moins des stats qui peuvent modifier les dialogues. C'est plutôt chouette. Attendez, c'est quoi là-dedans? Petite potion, on va la prendre. Hey, j'arrive. Ok, donc on a deux sorts pour commencer. Je vais mettre en pause, on va balancer sur cette semage du poison. J'ai loupé ou quoi? Alors elle a une protection. Allez, on va changer les armes également. Allez. L'autre sort qu'on a, c'est une espèce d'onde de choc qui... c'est ici. Qui nous entoure, mais pour un ennemi, ça valait pas trop la peine. En plus, ils doivent pouvoir se débrouiller tout seuls. Hein. Ok, ben on va tout ramasser. Hein. Hop, on ramasse tout d'un coup. C'est plutôt bien également au niveau de l'interface qu'on ne doit pas cliquer chaque fois sur un cadavre. Enfin, c'est moderne, hein, parce qu'évidemment, vous trouverez quasiment plus un jeu de rôle. Maintenant, il faut cliquer sur chaque cadavre séparément, ça se fait plus. Et c'est une très très bonne chose. Je vais faire l'onde de choc pour voir un petit peu. Ouais, pas mal. If you insist. Blood and souls. Donc la quête ici, les quêtes de... Donc ça c'est quête principale, secondaire, journal. Il y a tout un tas quand même. Hein. Alourdi. Gardez cette porte de votre vie. Gridio, viens avec moi. Ok, tout ça est bien étrange. On va dégager les machins lourds. On peut classer par poids. Et donc je peux enlever... Ben, il n'y a malheureusement pas valeur sur poids, ce qui est toujours un classement très intéressant dans ce genre de jeu. Pour virer des trucs lourds et de peu de valeur en même temps. Moi, je vais juste virer les plus lourds. Now listen to me. Listen closely. This is important. The Lady Espen was the love of my life. My one love. There was nothing arranged about our betrothal. Il me parle de sa femme. Lady Espen était l'amour de ma vie, mon vrai amour. Il n'y avait rien d'arrangé dans notre mariage. Tiens donc. Est-ce qu'on pourrait parler de votre votre femme morte une autre fois, Seigneur? We haven't time for your smart remarks. You never saw her yourself. Not that you'd remember. But if you had, she... Gods damn these Derongold swine. Behind me is my dressing chamber. Go fetch my sword from there. Je suis pas un soldat, peut-être qu'ils vont m'épargner si jamais je me rends. They will cut you down as surely as they will me. Now fetch my sword. Ok. I do your bidding this time. Et là. Cherchez toutes les pièces. Ne laissez personne vivant. Ah oui, non, il avait raison, dis donc. Found you at last, father. Didn't figure you would try and hide from your fate. To be betrayed by my own son. Who wouldn't hide from such a terrible end? I've learned a few things, you see. Things your priests and men-at-arms could never teach. I have gained a new perspective. Seen the truth of this world. J'aime bien les dessins du jeu, je trouve qu'ils sont pas mal faits au niveau des personnages. So, you were not even paid in coin to turn traitor against your own house. Only pretty words. Kill me if you wish.
but I promise it will avail you nothing. Every man pays for his sins, my son. And the price of a sin such as this, well... Enough of your piety! It sickens me. But your last decision, at least, is the correct one. Hold still, father. Il va le faire, hein, il va le tuer. Où est-ce qu'il m'appelle? Il me parle de sa femme et tout ça. Franchement, à ce stade-là, je me demande déjà si on serait quand même pas à son fils. Son fils caché, son bâtard. Et là, on se fait rendre inconscient par une voix bizarroïde. Et on va arriver dans une espèce de cabane. Le fait qu'il me demande mon avis lors du conseil, alors que je suis un serviteur, qu'il me parle de sa femme au moment où il va mourir, comme s'il allait me révéler un truc. Quoi? Où suis-je? Comment est-ce que je suis arrivé là? But no more questions for tonight. There's a cot over there. You should try to get a good night's sleep. Tomorrow will be a very, very long day. D'accord. On va passer la nuit. Wake up, lazy. Always sleeping, this one. Must have been raised by dream wraiths. Bonjour déjà. Now, how about you make yourself useful and weed the garden? Elle veut qu'on s'occupe du jardin. Ok. Elle va faire un genre de ragoût ce soir. On doit l'aider. Et on a reçu une liste. Objet de quête. Rassembler, récupérer. Alors une poignée de bruise root, espèce de racine. Des champignons bruns et un peu de viande de renard. Je regarde un petit peu l'équipement que j'ai récupéré. On a un bâton magique. Ça, je l'ai récupéré sur la mage qu'on a tué. On va essayer d'identifier. Bâton magique brillant de saphir. 1 à 7 de dégâts. Et on a également plus 1 slot de sort de niveau 1 et plus 1 de niveau 2. Plus 2 en focus. Ça, on va l'équiper. Hein. Et puis, ça, en arme secondaire, ce serait pas mal. Je sais pas comment on passe d'une arme à l'autre. En combat, peut-être ça se fait ici. J'essaierai plus tard. Il y a deux... Ça, c'est bien. Il y a deux configurations d'équipement, apparemment. Ici, on a du soin. Ok. D'accord. Donc, je dois trouver ce qu'elle m'a demandé. On a une espèce de poudre. De love case, je sais pas ce que c'est. Une espèce d'insecte. Et une armure de cuir légère. Peut-être que je vais pouvoir la porter en tant que mage, je suis pas sûr. Ça booste quand même mes compétences apparemment. Mes résistances. Ça va pas poser problème. On the move. Et là, une recette. Ok. Donc je pense que quand on l'a lu, on l'a copié. On l'a copié, on pourra revendre cette partie-là. Ouais. Ça, c'est les recettes. En fait, je n'ai qu'une, elle est là. Donc on l'a. On peut placer les ingrédients? Alors, je vais revenir là-dessus plus tard. Pour l'instant, on va essayer d'avancer sur la quête. Donc, qui est de trouver... Je vais sortir. Ah. Feeling well? Oh, good, good, you know how to read. I have something that will help you gather what we need without hurting yourself. Two. Here, put... D'accord, qu'est-ce qu'on a eu? Des gants de jardinage. Alors, ça enlève ma résistance au froid que j'avais avec la laine, évidemment, mais on regagne de la compétence de brassage et de séchage, tout ce qui est en fait cuisine, en fait. 45%.
I do your bidding this time. Allez, on va dehors. Petite sauvegarde. La carte locale. La carte du monde. Donc là, c'est le manoir où on était. Je suis là. On a connaissance de cet endroit-là. Peut-être là, on pourrait également y aller. Ça marche comme dans Baldur 1, j'ai l'impression. Il va falloir débloquer les endroits, les découvrir. Quoique dans Baldur 1, on pouvait aller où on voulait. Hein. Peut-être c'est le cas ici aussi. Alors, on a un endroit là et un endroit là. On va y aller. Il y a des araignées, mais est-ce que c'est grave ? Peut-être on peut essayer de faire un peu le combat ? De dégâts, bon, mais de toute façon, c'est pas beaucoup de vie ces machins-là. Hein. Boum ! Alors voilà les champis. Et sans doute le deuxième objet. Là, on est dans un tuto, hein, j'ai l'impression ici. C'est pour ça que les objectifs sont indiqués, j'imagine. On va quand même attaquer, je pense, un petit peu les araignées. Oh, le renard est là. Voilà la racine. Et le renard, on va l'attaquer à distance. Je suis empoisonné. Attendez, on va regarder un petit peu les potions. J'ai une potion de soin léger ici, je vais l'utiliser. Ça marche ou pas ? Ça marche. On récupère la peau de l'animal et également de la viande. Donc là, on a ce qu'il faut. On va revenir. Ah, je suis alourdi encore, attendez. On va enlever ces épées, je n'ai pas besoin. Pas quand est-ce qu'on va trouver un marchand, donc on va s'en débarrasser de pas mal. Oh, yes. Volendir. Salutations, je suis Volendir. Pardonnez-moi, je suis confus. Je ne suis pas très bien. L'ordre druidique m'a envoyé pour soigner cette forêt. Il y a une espèce invasive d'araignée que je dois nettoyer. D'accord. Alors on va lui faire la petite quête. Peut-être qu'avant de rentrer dans la cabine, je vais tuer les araignées. Tiens, comme ça, on verra ce que la petite quête va nous donner. Avec contrôle, je peux forcer l'attaquer des animaux ou des humains neutres. Si jamais on veut, on peut le faire. Est-ce que j'aurais déjà fini ? Il me semblait qu'il y avait des araignées ici, normalement. Il avait dit près du pont. Après, je peux regarder. Hein. Voilà. J'en ai une là, là, là. Ah, il en manquerait peut-être encore un endroit, normalement. Peut-être là. Après, c'est pas grave si on le fait pas en entier, celle-là. Faut que j'avance pour qu'on voit un maximum de choses. Yes, I know. Hello. Voilà, je crois qu'elles sont là, c'est les araignées brunes, c'est pas la même espèce que les araignées normales entre guillemets de la forêt. Je vais venir à côté d'elles, on va lancer le long là. Hop, m'en débarrasser. Bam, ça marche pas mal. Je vais me re-soigner un coup. Celle-là, c'est bon. Do not waste my time. Yep. Merci de votre aide. Il veut me donner de l'antidote. On peut lui dire de garder pour lui-même. Ou alors on le prend, je vais le prendre.
C'est tout? Ah, on a eu l'XP. 900 XP. Ok, alors la barre d'XP se trouve, j'imagine, en tout cas en nombre ici. Je pense pas qu'il y ait de barre. On a pris un niveau. Speak your mind. On peut donc augmenter nos compétences. On va prendre par exemple apprentissage et recherche pour monter encore plus. Les compétences de classe, on va monter prodige. Et en armement, comme on a trouvé un bon bâton, on devrait se mettre rods and staves, je pense. If you insist. Avec V, on ouvre le journal, le bouquin des sorts, le livre de sorts. On a deux onglets, énergie de base, j'ai l'impression que c'est plus ou moins élémentaire, et énergie élevée avec ici la pulsation de mort que j'ai utilisée juste avant. J'ai rien débloqué, il y a 7 niveaux de sorts apparemment. If you insist. What do you need? Good. You put your gloves on just like the rest of us. Or you weren't trying. Elle va prendre ce que j'ai récolté. Est-ce qu'il y aurait une récompense peut-être? Attention, fils, attention. Je crois que c'est notre mère, hein, donc... Peut-être. Sinon, pourquoi elle nous aurait sauvés? On n'est jamais qu'un petit... Un petit serviteur. Hein. Je verrais bien ça, moi, qu'on soit le fils illégitime d'elle et du Seigneur. Potentiellement. Alors là, c'est le tuto pour fabriquer. Sécher d'abord. On va mettre ça, les champignons, et on va passer en mode outil et utiliser la chandelle pour chauffer. Et on va commencer à sécher. Les ingrédients sont maintenant secs. Il y a différents outils qui permettent différents degrés de chaleur apparemment. On va écraser, je fais un peu au pif, hein. Et collecter. Donc on a de la poudre des deux types. On pourra s'en servir, j'imagine, pour faire des potions. Elle veut qu'on parle. Bah, elle peut m'apprendre une nouvelle chose sur l'apprentissage, peut-être. Très bien. Ok. Pourquoi est-ce que vous m'avez sauvé de l'assaut sur le manoir Aspen? Je gardais un œil sur Lord Aspen. Sa mort veut dire que la balance, l'équilibre a échoué. Vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment, au mauvais endroit au bon moment. Et j'ai vu une chance de vous aider. Mouais, du mal à avaler ça. Qui êtes-vous en vérité? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre pour le moment. Je ne peux pas répondre pour vous. Je suis quelqu'un que vous étiez censé rencontrer. Bon, est-ce que je peux partir? When you leave here, the world you... The attack on the Espin estate was only the first... L'attaque était la première étincelle d'un feu consumant. There are worse things than war. Il y a une malédiction qui est tombée sur Isilmerald. Il rend les gens, hommes et femmes, fous. La malédiction de la cupidité. Bah, la cupidité n'est pas une malédiction, c'est juste un vice. D'habitude, oui, mais là, non. C'est vraiment une vraie malédiction. Ouais, on est magicien. Ouais, je connais quelques petits trucs. D'accord, elle me donne un parchemin qu'on peut utiliser. Invoquer une araignée, génial ça. Attendez, clic droit, écrire. Alors, elle a mis un piège là.
On va utiliser perception magique. Enfin, on voit un petit peu à quoi ça sert. Peut-être qu'il y aura d'autres usages. Et le ragoût est prêt. Voilà, Summon Spider s'est mis là, ok. Ah bah attendez, j'avais d'autres... D'accord, j'avais plein d'endroits pour en mettre plus en fait. Voilà, on va mettre 3 de chaque. Et 3 pulsations. Et dans les favoris, bon, pour l'instant j'ai que ces 3 là, donc je pense que d'office c'est bon. Feeling well. Oui, donc je me repose, on récupère comme ça les sœurs et on part. Good morning. I fear that our time... Yes, that is the gist of it. Allez, on va partir parce que j'aimerais bien pouvoir voir le déplacement sur la carte et peut-être rencontrer un premier compagnon, puisqu'on peut avoir apparemment jusqu'à 4 compagnons en plus de nous, ça fait un groupe de 5. Alors, trouver le chemin, voyager jusqu'à Easybright. Easybright qui n'est a priori pas sur la carte pour le moment. Et je peux pas aller où je veux, en fait je dois suivre les endroits proches et aller de proche en proche, je crois. Peut-être aller par là ici. Pour ça il faut que j'aille vers le bas. Pas moyen de partir. Ah si, en fait on doit juste aller vers le bas de la carte, d'accord. La route du marchand. Donc, le monde apparemment, d'après en tout cas les développeurs, est assez énorme, le monde du jeu. Il y a 2 pays entiers à traverser, et avec des douzaines de districts, villages et villes. If you insist. Et là, on est sur la route. Je crois qu'il faut juste suivre. Après, on peut, comme dans Baldur's Gate, hein, aller voir, il y a sûrement des trucs un peu intéressants sur les côtés aussi. Un massacre, une attaque de convoi apparemment. Ouh. Me voilà tout encombré. C'est, alors je peux pas, c'est grisé à mon avis, ça veut dire que je peux pas m'en servir. C'est également hyper lourd, on va virer ça. Elgana. I'm listening. The sore sight it is. Une vue désolante, s'il en est. Bah. Est-ce que vous avez préparé à ça? The wars of men are none of mine. Praise the stone. Il est arrivé là après. That's a serious question. Even a league beneath the Skeg Mountains, everyone knows of the war. Donc bah c'est la guerre, hein. Et là, voyez, on peut utiliser la compétence pour avoir un dialogue particulier. La vie de soldat est un business. Un peu sale. Je suis heureux de ne pas en faire partie. Ah non, ce n'est pas si sûr. On peut proposer qu'ils viennent avec nous, raconter notre histoire. Excellent. Et alors il vient avec nous. Cool. Il a pris un niveau directement. Il a quoi comme compétence? Vigilance, je sais pas ce que ça fait. Clic droit. Il entre dans une posture de vigilance qui augmente ses capacités de défense. Si on va voir. J'aime vraiment bien l'artiste ici qui dessine les portraits. C'est vraiment cool. Il a physique et dextérité, donc c'est clairement un guerrier. Hein. Très clairement. Voilà, on va pas aller plus loin pour une découverte de jeu, ça me paraît suffisant. Donc n'oubliez pas que la version française est en cours de finition. Je n'ai pas de date à vous donner malheureusement. Je ne sais pas quand elle va arriver, mais elle finira par arriver. J'espère que la présentation, la découverte vous a plu. Je vous souhaite une excellente continuation. N'oubliez pas éventuellement de vous abonner et de laisser un like pour donner un petit coup de main. Salut à tous !